Bonjour messieurs, bonjour. Toujours tiraillé avec ce son hein, du jeu, hein. Un peu fort dans mes oreilles, mais. On est là, hein. J'espère que vous allez bien. Bon, Gérald, voilà. Hein. Deux semaines après, hein, la dernière partie. Je sais pas du tout où on en est, j'ai pas du tout ce qu'on a à faire. Probablement on est au boss final du jeu, c'est faux. Bonjour YouTube, hein. Je lance direct le record, ça va être incroyable, c'est absolument faux. J'ai pas le contrôle sur le jeu là? Ah, c'est vrai que les cinématiques sont longues. Merci. Merci. Je sais pas où est ma souris, j'espère que ça va pas faire laguer le jeu. Bon, on y va, hein. Faut qu'on avance, même si on sait pas où on en est, faut qu'on avance. Et ça, c'est important. L'important, c'est d'aimer aussi, comme disait l'autre. Ok, ouais, alors faut que je prenne le jeu. Ah oui, mais c'est fou! J'ai des. Ah, je suis pas. Aïe aïe aïe, hein, j'ai pas vérifié le jeu. Hein. Non. Putain, normalement niveau. Enfin, mais j'ai mis le. Je sais pas en quoi je suis défini là. Allô? On sait pas, hein. Non, mais c'est. C'est fou. Je vais rechanger. C'est un peu pénible parce que franchement au début j'avais aucun problème. Je sais pas ce que ça change. Ça je vais l'enlever en vrai. Échelle de résolution dynamique. On s'en fout ça, non? Voyons. Est-ce que ça rend le jeu... Oh, ça rend le jeu dégueulasse. Oh, ça rend le jeu dégueulasse. Le baron. Ah oui, c'est vrai. Non! Alors, d'avoir enlevé l'anti-crénelage, je crois que ça a rendu le jeu moche. Hein. Ou c'est... flou cinétique. Flou... Ah oui, le airwork, ça c'est Airmoon qui m'avait dit que c'est. De toute façon, il fallait l'enlever, c'était mieux. Enfin, il fallait essayer de l'enlever. Non, mais vas-y, la qualité elle est dégueulasse. Bon, ça. C'est pas ça, mais bon, hein. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, je sais pas. Ça tournait très bien au début, hein. Ouais, j'ai pas changé de config, hein. Je suis désolé YouTube, hein. Je fais ça. Et pourquoi vous avez touché? Bah à la base j'ai mis, j'avais laissé moyenne, hein. Est-ce que c'est parce que j'ai des trucs en fond? Bah non. Bon écoutez, ah ouais non mais c'est, ah mais en plus vous. Ou les FPS, ça a l'air dégueulasse, hein. Alors moi, ça va à peu près. Mais sur le retour, c'est dégueulasse, hein. Ah, quel enfer, j'ai pas changé les FPS, j'ai rien changé. Putain, au secours. Il y a un moment, ça allait pas. Donc quand on a commencé le jeu, ça allait très bien. Ouais, ça a l'air ok. Ouais, on va essayer d'avancer, tant pis. Hein, je vais pas y passer des plombs, il faudrait que je regarde ça en off, mais j'ai pas spécialement un peu la flemme. Rendez-vous avec le baron aux cabanes des moires dans le marais. Ah, il faut que je suive la troupe Martin Circus, là.
Moi, je les suis bêtement, hein. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, lui. Oh, bah, on va le suivre, hein. Le cercle est plein d'air. Ah, j'avoue. Ah, y a le clown devant, hein. Ah, si vous voyez trop de freeze ou que ça lag de ouf, hein, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, surtout. Mais elle a toujours eu le cœur. On va essayer d'avancer, manque juste Masco. C'est un peu un CSC ça, monsieur. Oui. Hein. C'est un sacré clown, vous. Hein. Ah, mais il faut repasser ce marais avec les. Avec ces raclures de noyeurs et compagnie là. Je vais péter mon câble. Après, mon PC peut-être supporte pas la capture du jeu. Je sais plus comment on se fight, donc ça va être épique. Si j'en tape pas un dans le tas au passage, hein, c'est involontaire. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. Waouh, le retour. Waouh. Mais pourquoi il m'affiche 48 FPS là? Oh, le CPU à LED. Non mais je suis pas censé avoir 49 FPS là. Wouah. Mais putain, mais je suis sur 60 FPS avec OBS. Wouah. Oh mais quel enfer. Attends, ça dégage. Ouais, mais attends, il m'aurait pas changé le. Oh, s'il m'a changé le. Si c'est pas la carte graphique qui prend en charge le truc, c'est normal que ça. Comment je peux le voir ça déjà? Waouh, 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 wow, hein. Alors. Bah non, c'est Nvidia. Non, normalement c'est ça l'encodeur. Ou alors tant pis, c'est le local record. Mais j'ai rien changé dans la config, c'est ça qui me rend ouf en fait. Ça me rend ouf. Waouh. C'est pas la multiplication des scènes quand même. C'est impossible. Hop. Essayer de. Mais tant pis, je prendrai le record de. Tant pis, je prendrai le record de Twitch. Voir si ça joue. Voyons. Non, c'est pas ça, hein. Merde, alors là, du coup je suis plus du tout dans le combat. Je suis pas du tout dans le combat là. Non, c'est infernal. Non, c'est pas. C'est, non, on n'est pas bien là. Mais non, mais je faillais taper un mec dans le tas. Oh. Mais en plus je suis pas concentré sur le jeu. Alors que je devrais me soigner. Mais. Non, les FPS, c'est pas ça. Hein. On va essayer, mais bon. Ça me saoule un petit peu là. Ouais, mais il suffit qu'il y ait un peu d'action. J'ai fermé mon navigateur, j'ai fermé Discord, j'ai arrêté le local record. En train de me dire est-ce que non mais The Witcher il est config sur mon SSD donc normalement est-ce que c'est la carte graphique qui fatigue? Non mais le navigateur c'est il prend pas je l'avais avant en fait le navigateur j'ai toujours fait comme ça. Bon, je sais que ça allège mais ça... j'ai toujours fait comme ça. Je suis bêtement le cirque plein d'air, hein, encore une fois. Ah.
Ah, je vais taper. Poussez-vous, merci. Bonjour. Non, la caméra, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Mais ça suffit. Bon, démerdez-vous, hein. Oui. J'ai rien fait, madame. Hein. Ah, il y a une gonade. Ah, ah mais c'est bien. Saloperie. Je ne sais plus boire une potion. Ah, merci. Ouais, vas-y. Elle est où? Elle s'est TP. Su. Allez, boum, boum. Et voilà, hop. Ouais, bon, on sent que graphiquement, j'ai baissé la réseau, hein, quand même. Bon, je prends des trucs, mais évidemment... Évidemment, je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Faut se bouger le cul, le baron, là. Hein. Allez, 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 on avance. Allez, allez, allez. Allez, crame, on sait que t'aimes pas le feu. Mais ça suffit. Oh, je me défends même pas. Ça suffit. Mais voilà. Barrez-vous, hein. Oh, ça bagarre sec, hein. Ouais. Sorceleur, vous avez changé d'avis? Combien perd vous paye-t-il? Vous n'avez rien. Une fortune. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel me... On le voit aux cinématiques que c'est un peu moins propre. Ma fille chérie. Enfin je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venu pour mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Mais que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni... Oui, mais en plus, on est sur une quête secondaire, non? C'était de la quête secondaire, ça. Mais j'ai changé. Je sais même plus. Gérald. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je refuse d'intervenir. Évidemment. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Vous êtes qui? C'est celui-là, bordel. Vous êtes qui? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivres. Ouf, oh le missile. Tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de toi. Ouh, ça tire à balles réelles, hein. C'est... ça fait plaisir. Hein. Que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Attends-nous, les Moirs peuvent revenir à tout moment. Attention, Emmanuel Moir peut arriver à tout moment, j'ai entendu. Hein. Déjà là. Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Ah, j'étais pas prêt au Stonks, j'avais pas vu. C'était pas prêt. Hein. Ça sent la mort. Ça sent la mort ici. Ah, mais y'a personne. Aïe aïe aïe, la résolution. Aïe 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 aïe. Hein. C'est terrible. Hein. Eh oui, bah oui. Eh oui, bah non. Non. Elle veut pas te voir ta fille, hein. C'est...
Sans, hein. Reviens là. Petit pas d'épices. Fraîchement sorti du four. Mère. Oh. Voilà. Propre comme un sou neuf. Ah bon? Allez-y. Unissez-moi. Ah bon? Je l'ai grignoté pour voir s'il était ferme. Mais pitié. Il est tout frais. Oh, mère. Mais on nous l'a jamais dit ça, non? Que cette vieille femme, c'était la mère, en fait. Si, ou j'ai rien suivi? Ce qui serait pas étonnant. Pourtant, j'ai prié, supplié. Mais, c'est moi. Tu me reconnais? Tu sais plus si on nous l'a dit, hein. Que lui est-il arrivé? J'ai dit que je le ferai. Donnez-le-moi. Je vais le récupérer. Ou c'est juste une récupération de sprite, hein. Ah? Quelque chose approche. Oui, mais il me semble pas non plus, hein. Oui, alors. Comment ça? Qu'est-ce que c'était? Les loups, peut-être. Oui, oui, mais justement, je me prépare au combat. Voilà. Et encore, évidemment, je fais une sauvegarde vide alors que je pouvais écraser l'ancienne. Hein. Je suis une merde. Évidemment. Tenez-vous prêt. Le pré... attends. Préparez-vous au combat, ça veut dire que je me récupère les potions. Mais comment ça? Oh mais quel enfer. Su. Bu. Aïe. Ça c'est bien de la merde ce mob, hein. Qui nous crache l'encre de Super Mario là. Hein. Ils sont où? Ah ouais, mais vous êtes combien en fait? On va cramer la guenade. Ah, je te laisse la gérer. Non mais. Bouh! Mais tape pas dans le vide, connard! Aïe aïe aïe. Hein. Voilà, crame. Je voulais revenir sur le noyeur là, qui est en train d'attaquer ce pauvre soldat là. Cassez-vous. J'ai pas pris la potion de tonnerre, évidemment. Parce que j'aime bien le challenge. Butez-moi ça là. Mais vas-y, boum, boum. Voilà. J'aime mieux quand ça se passe comme ça. Mais bon, c'est illisible hein. Mais... Stop. Ah! Bonjour! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me faire ouvrir. Ah bah oui, oh bah... Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Il est pas du tout en train de m'ouvrir, hein. Non mais... Au secours. Attaquez-moi ça, bordel! Aïe. Ah ça va être compliqué par contre hein. Réel hein. J'ai pas de carreau puissant d'arbalète. Hein? Ah c'est sympa l'ambiance. Ah, il me fait un effet de... Ah bah au revoir. Ah c'est sympa. Ah c'est sympa. Ah, c'est sympa ce mob, hein. Voilà, on y est jusqu'à 10h30. Hein. Non, mais mon arbalète, elle est zéro. Hein. Je sais pas si vous sortez cette emote, monsieur. Elle attire ma curiosité. Qu'est-ce que c'était? Ah, mais du coup, il faut que je refasse... Non, mais taisez-vous. Mais... Ah! Je veux juste... Non mais... Voilà. Je veux juste méditer parce que je suis un homme qui médite. Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêt. C'est vrai comme votre couteau. Ne soyez pas jaloux, monsieur. Je sens une pointe de jalousie dans vos paroles. Hein.
Bon, les noyeurs, il n'y a pas trop de problèmes à les gérer, hein. Donc en plus, les soldats le gèrent, hein. Allez, 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 hein, ça suffit, hein. C'est illisible, c'est toujours aussi illisible. Allez, allez, allez. Mais ça suffit. Mais crève. Allô. Merci. Ah, la bête, elle arrive. Je l'ai vu. Non mais par contre, me bloquez pas sur un bout de bois. Oh là. Je vous lis, hein, dans quelques instants. En vrai, je peux aussi jouer la fuite, hein. Non mais par contre, vous bloquez pas là. Ouais, c'est bien. Non, au secours. Alors, on va le brûler pendant qu'il attaque, hein. Aucune race, hein. Oh, j'ai pas de race, hein. M'en donner... Merde. En vrai, vas-y, faut que j'y foute un coup de... Voilà. Oh, on va la jouer comme ça. Ah ! Secours ! Dans quelques instants, je vous lis. Hein. Ah, ça y est, les problèmes. Ah, mais je peux pas utiliser... Je peux pas utiliser mon arbalète ? Ah, parce que je suis... Mais, au secours! Non, vous bloquez pas, madame. Voilà. Sale bait. Je l'ai pas eu. Je suis une merde. Mais comment ça, cette action n'est pas autorisée? Oh, et oh, hein. Cours. Je l'ai encore raté. Oh, et je joue de trop loin, là. Je fais un dégât. Bah, heureusement qu'il tape, allez. Bon, en vrai, ça le... Ça le stun un peu, on va dire. Mais... Allô? On va laisser les bros taper, hein. Je pense que le feu fait plus mal. Je l'ai encore raté. Oh oui, je suis une merde. Ah oui, je vois que mon épée est fatiguée aussi. Accessoirement. Ouais, alors là, on le bloque bien, votre pote, hein. Je sais que je fais un dégât, hein. Rassurez-vous, hein. Je suis au courant. Ah putain, ça recommence. Je sais pas si je peux faire le feu. Oui, je peux. On l'a battu? Bravo! Ah oui, donc du coup les mods viennent d'un train de hype, d'accord. Les moires savent qu'on approche et ont envoyé la bête chercher Adla. La Wuxian. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? C'en est assez. Je l'emmène loin d'ici. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'est coupée l'oreille, hein, du coup. Tu es la bienvenue si tu... Ne la touche pas. Nous partons sur le champ. Elle est malade, affaiblie. Où l'emmener dans cet état? Oxenfurt, c'est signé son arrêt de mort. Je sais prendre soin de ma mère.
Ah, je pense qu'elle sait mieux le faire que toi, hein. Laissons-la décider. Des galettes pour le dîner. Des bonnes galettes debout. Pour l'heure, elle est incapable de prendre une décision. Ah oui, elle est pas en forme, hein. C'est certainement l'œuvre d'un maléfice. Aidez-la, sorceleur, de grâce. Je crains que ce ne soit pas un maléfice. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a beaucoup souffert. Une fausse couche, l'enlèvement par un fielon, puis la vie au village des Moires s'occuper d'enfants qui aujourd'hui ne sont plus là. Ça l'a fortement marqué. Personne n'aurait pu supporter. Alors c'est sans espoir? Vous n'y pouvez rien? Elle va rester comme ça? Je suis désolé. Je connais un ermite, un sage au talent de guérisseur. Je l'ai rencontré il y a quelque temps. Il vit dans les montagnes bleues. Je vais l'y conduire. Ouais, si vous voulez, ouais. Ça peut valoir la peine. Si vous voulez, ouais. Je t'accompagne. Hélas, c'est impossible. Pourquoi? Comment ça? Votre engagement auprès du feu éternel s'accompagne de devoirs. Quand nous en aurons terminé à Velen, nous repartirons pour Oxenfurt. Vous aviez promis de sauver ma mère. Et j'ai tenu parole. Votre père va s'occuper d'elle. Lui? S'occuper d'elle? Mais enfin, vous savez ce qu'il lui a fait? Il affirme avoir changé et ses yeux trahissent de profonds regrets. Il prendra soin d'elle. Votre nouvelle vie vous appelle ailleurs. Vos seuls devoirs sont envers le feu éternel à présent. J'ai envie d'y croire qu'il a changé, hein, mais... Pour moi, ce sera toujours une raclure, quoi. Je ne toucherai plus à l'alcool. Je trouverai l'ermite. Ah, si tu retouches à l'alcool, je te plante mon épée dans le cœur, hein. C'est tout, hein. Tu as ma parole. Sois pas un sac à merde, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, je comprends la méfiance de la fille. Hein. Je pense que vous la comprenez aussi. Hein. Les sorceleurs sont formés pour tuer les monstres. Peu importe qui a placé la vie. Tout ce qui compte, c'est la prime. Un sorceleur n'a pas de scrupules. Sa conscience n'entre pas en ligne de compte. Il agit, ramasse la bourse jetée. C'est plus un sac à main. Sac à main, c'est pas mal. Merci à vous, sorceleur, malgré tout. Puisse le faire. Bah écoutez, c'est juste une question de pognon, hein. Adieu. Moi, votre famille, j'en ai un peu rien à foutre, mais. Bah, du coup, merci pour le pognon. Nous ne pouvions rien de plus. Oh, le niveau 9! 3 points disponibles, wait. Et des points que j'ai pas attribués. Vous avez peut-être raison. Bon, c'est une bonne chose, ceci dit. Ok, Gwint, niquez-vous. Niquez-vous, le Gwint, ça change pas. Ça, on se rappelle qu'on n'a pas envie d'y jouer. Hein. Du coup... personnage. Alors, j'ai 3 points disponibles, mais qu'est-ce qu'on va mettre en vrai? J'en ai fichtrement aucune idée. Une partie de Gwint, c'est non, hein. Augmente de 1 mètre la portée de Hard, on s'en fout. Bouclier explosif. Attends, Axie, on est d'accord que Axie c'est le feu, hein. Ah non, c'est Ini le feu. Ok. Ini c'est le feu. Parce qu'on n'a pas une compétence. Ça c'est qu'est-ce que c'est? Vitalité. En vrai, vitalité c'est peut-être mieux. Ça n'a pas un autre truc de vitalité là. Le point d'adrénaline augmente les dégâts des armes et l'intensité des signes. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai l'impression. Si votre niveau de vigueur est trop bas, vous pouvez utiliser vos points d'adrénaline pour lancer des signes.
Les carreaux d'arbalète infligent 25% de dégâts supplémentaires. Donc finalement, au lieu de faire un dégât, on aurait fait 1,25. Très impressionnant. Ceci dit, c'est bien si un jour on se spé là-dessus. Si on peut se spé. Ça, c'est l'alchimie, mais l'alchimie, on est zéro en alchimie. Les mutagènes, je peux rien faire. En vrai, il faut qu'on s'augmente sur le combat. Mais la vitalité, c'est dans quoi? Il y a un truc dans le combat hein, où il y a de la vitalité un peu ou... Aux attaques puissantes, t'infliges 10% de plus. Ouais, mais les puissantes, ça va être le triangle. Hein. Passera de 1 à 1, exactement. Pour les dévier les flèches en parant. Ouais, nul. Ah, lorsque vous utilisez une arbalète, le temps s'écoule 50% moins vite. C'est intéressant, ouais. Vous perdez 33% d'adrénaline en moins lorsque vous subissez des dégâts, gain de points d'adrénaline plus 1%. C'est pas très clair à tout ça. Je sais pas ce qu'on augmente en vrai. Le signe de Hard, on s'en fout. Ah, du coup, c'est Ini. En vrai, on peut le booster ça, non? Attends. Voilà, on le met à 3. Donc l'armure des ennemis blessés est réduite de manière permanente. L'effet varie en fonction de l'intensité du signe. Maximum moins 75%. Ce qui est très bien. Et après, augmente la durée des signes de 5 secondes. Nombre d'utilisations du mode signe alternatif, 7. Non, de piège. Ah non, mais c'est le signe d'Irden, on s'en fout. Quoi, on s'en fout. Donc en vrai, on va augmenter un truc de combat là. On a un point. Des attaques puissantes, ouais. J'aime bien ça en vrai. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que, bon, mine de rien, on vise avec l'arbalète pour tempo de loin. Mais ralentir le temps, est-ce que ça peut permettre de se soigner plus vite? Bref, je sais pas. Je pense qu'on va prendre ça en vrai. Mais après, ouais, il faut le caler. Ah, mais on a un emplacement de libre. On a un emplacement de libre. Donc ça, on l'a déjà. Ça, c'est déjà mis. Et pas. Et oui, Jamy. Donc logiquement, si on le met là. Ah, mais j'ai un mutagène dispo en plus. Ah, oui, mais c'est très bien. Alors qu'est-ce que c'est? Alors intensité des signes, on n'a pas de la vitalité, on a plus 50, ouais. À plus 5% de dégâts, j'aime bien. Je pense qu'en vrai, on va prendre des dégâts. Hein. Plus 10%. Alors je sais pas pourquoi ça... C'était pas... Pourquoi il y a plus 10%? Parce qu'on a... Bon, c'est pas clair, mais bon, on... On a fait ça, on va sauvegarder en même temps. Du coup, les quêtes, les quêtes, les quêtes. Donc la quête principale, ouais, non mais celle-là on s'en fout parce que niveau 16, on n'est pas là. Donc il faut aller chez Triss. Les bûchers de Novigrad. Mais ça, j'en ai aucune idée. Je sais plus du tout où c'est ça par contre. Voyons. Voyons, voyons. Donc on a un panneau là pour se barrer. Ah oui, c'est Ah ouais, c'est loin en fait. Attends, mais on est si loin que ça? On n'a pas de... Ah ouais, on n'est pas allé aussi loin. Enfin, à partir de... Ouais, de où on part en vrai? De toute façon, il y a le panneau, donc on va prendre le panneau. Le panier piano. Attends, il est où le panneau là? C'est impossible, je n'arrive jamais à me localiser, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Comment on fait déjà? Ah oui, c'est comme ça. Mablette! Mablette! Piti piti piti! Piti piti! Piti piti! Au galop, Ablette. Ouais, on va au panneau, hein. Ah, je sais pas où il est le panneau.
Il est là. C'est toujours aussi maniable, hein. Je veux descendre. Allô? Mais vas-y sur ce panneau, bordel. Alors, du coup, bon, on va se diriger vers notre point ici. Stocker des réserves. Mais je pense qu'on passe par ici, hein. En vrai, hein. En vrai de vrai, le fond vert qui fait de la D. Merci à lui. Bon, on va rappeler ma blette, faut pas déconner, hein. Ah oui, mais du coup, moi, il faut que je passe chez un forgeron, là, parce que c'est dramatique. Ah ouais, 32%. Ah, mais ça ne répare que l'armure. Ah non, mais c'est les signes de... Ah non, c'est pour les... C'est pour les... c'est pour les outils, c'est pour les armures, ça. Et puis j'ai déjà quelque chose, en vrai. Est-ce que j'ai pas des... Ouais, c'est des pierres uniques. Ouais, c'est que des pierres uniques, c'est pas les trucs pour réparer, ça. Mais c'est terrible ça d'ailleurs, hein. Bon, s'il faut, on n'aura pas de combat à faire. Bouge-toi le cul, Ablette, merci. S'il te plaît. Bon, moi qui pensais qu'on n'aurait pas fait grand chose, hein, au final quand même on a battu ce boss déjà. Bon, ce qui est pas un boss, qui est pas un boss exceptionnel, hein. Je coupe. Ah oui, on est quand même à 1000 mètres quoi. 1000 mètres, enfin. Je sais pas s'il faut qu'on termine pas ou. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bonjour? Ah, mais c'est surtout qu'il va falloir qu'on tourne la mer là, non? Ou il y a un pont? Ah, il y a un pont là. Non, mais va. Va par là. Est-ce qu'on peut passer par-dessus? Panneau de marquage? On a eu un panneau à côté là? Pas du tout. Ah mais c'est un truc de quête. Ah, en vrai, hein? Putain, faudrait que j'en fasse des quêtes. Bonjour! Ah! On peut passer? Ouais, pas écouté, hein. Je vous ai pas écouté, raclure. Mais pourquoi? Mais... S'il te plaît. Bon déjà il y a un panneau là. Donc au moins... On l'a. Je sais pas du tout pourquoi je passe par là. Hein. C'est bleu. Ouais c'est bien Ablette, tu m'as amené dans un... dans une impasse. C'est bien hein. Comment je sors de ce campement là? Plus vite. Ouais plus vite, bouge-toi. Mais c'est... Putain, mais il y a des arbres partout là! Alors, un petit feu là. Ça réglerait le problème. Hein. Et du coup, en fait, c'est pas du tout bon. Hein. Mais si, normalement, on peut. Si je vais tout droit, normalement, on peut. Hein. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Non, mais vas-y, je suis sûr qu'il y a un endroit que j'ai pas vu. Tu peux reculer. Mais qu'est-ce que tu fais, Ablette? Tu me fatigues, Ablette. Tu vas finir chez Charal, hein? Dépêche-toi. Alors qu'il suffit de suivre ce chemin, hein. Voilà. Il suffisait d'être un peu... Attends, mais j'ai même pas regardé s'il y avait pas un forgeron ici. Non, il y a rien, hein. Il y a que dalle, hein, chez vous. C'est une honte. J'ai faim d'us. C'est vrai. Ouais, je vous écoute pas. Hein. Allez, 700 mètres. Il y a peut-être un forgeron là-bas. Pour se refaire. Non, c'est vrai que dans les jeux, je suis pas très fan de... des durabilités. Ok, il y a un marqueur ici. On voit l'endroit où ça a l'air stylé. En vrai.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Gérald de Rive, exactement vieux monsieur. C'est moi. Ah, c'est marrant, hein, Just Hidalgo, il est en ligne, hein. C'est fou, hein. Vous avez joué à Elden Ring, comme votre pote? Enfin, vous allez le relancer plusieurs fois? Quelle taxe? Je paye pas de taxe, moi. Il va lancer Fall Guys. Attention, à tout moment, ça arrive. Hein. Bonjour, madame. Ah, bonjour, madame. Comment allez-vous? Gérald, concentre-toi. Hein. Bonjour, ma petite dame. Bonjour. Non, mais Gérald, un peu de sérieux, s'il te plaît. Moi, je suis RP, hein. je marche, je cours pas. Hein. Ah, mais c'est un charo, Gérald. Hein. C'est cool. Hein. Ça fait un moment qu'il a pas vu. Comment il s'appelle? Merde. Comment il s'appelle? Merde! Aidez-moi, vous qui avez suivi le let's play. Yennefer. Voilà. Ça fait un moment qu'il a pas vu Yennefer. Hein. Sympa comme petit village, hein. Eh, madame. Alors, or ça, hein, je suis désolé. Hein. Désolé, Twitch, hein. Mais c'est peut-être un homme, hein. Yennefer, il va se la faire. Ah, ouais, sympa comme jeu de mots, hein. Vous êtes un rigolo, vous, hein. Pipou, pipou. Est-ce que j'ai pris le chemin le plus dégueulasse? Peut-être, hein. Au moins, on visite, hein. Mais du coup, je suis pas regardé s'il y avait... Ah, mais si, mais putain, il y avait un forgeron. Mais j'ai pas vu. Putain, c'est Master Duel. Vous avez beaucoup d'humour, en tout cas. Eh, le feu, ça brûle, hein. Eh, le feu, ça brûle, hein, mon frère. Aucun mal ne survit au feu éternel. Le feu éternel illumine, brûle et nous purifie. Feu éternel illumine, brûle et purifie. Contemplez la flamme de la grâce et de la miséricorde. Bûcher spécial pour toi. Tu vas rôtir à fond. Tu vas supplier dans toutes les voies que tu sais imiter, comme les autres. Bon, et c'est pas parce que quand Lou il fait des imitations de merde qu'il faut le brûler. C'est quand même. C'est un peu un raccourci facile, ça. Mais pourquoi ils font là? Il fait de la D là. C'est le reflet du soleil là. Je n'aime pas beaucoup ce qui se passe ici. Un petit rôti là. Bon, sachez que si vous faites des blagues de merde, voilà. Si vous faites des mauvaises imitations, vous finissez comme ça. Alors, faudrait que je vois Triss, mais j'avais repéré le merde, le forgeron. Le forgeron... Mais putain, mais je suis pas aveugle, j'ai bien vu une icône de... Ah oui, mais il m'a mis là. Bon, allez, on va aller voir le forgeron d'abord. On ira voir Triss après. Hein. J'avais demandé bien cuit. Moi, je préférais saigner, mais bon. On peut ouvrir, hein. Poussez-vous. Hein. Bonjour. Ah. Ah bon. Ah merde, j'ai suivi le...
J'ai suivi la quête. Ah, va au diable. Je vous donne jusqu'à 3. Ah oui, donc Triss, en fait, c'est cette raclure là. Vraiment? Ah non, c'est. Ah, mais eux, par contre. Ils croient nous faire peur. 3. Non, mais. Non, mais bon, au bout d'un moment. Mais alors, ça c'est pas juste. Ah, j'ai plus mes. Va taper, va tabasser ton pote là. Ah oui! Je peux les brûler. Mais je peux utiliser que les points là? Hein? Allô? Toudou, on a qu'à partager. Ah bon, il les a tabassés suffisamment pour. Je suis pas un voleur. Je cherche la magicienne qui vivait ici. Elle doit sûrement se terrer dans un trou à rats avec les autres. Quelqu'un doit certainement en savoir plus. Je tenterais ma chance. Bosquet putride, si j'étais vous. Le bosquet putride, où est-ce? Aucune idée. Paraît qu'il y a que des monstres et des parias là-bas. Ah, ça se connaît hein, en termes de parias. Hein. Ah, ça se connaît bien. Hein. Possible. L'ennui, c'est que j'ai. Connard. Il paraît qu'on peut y accéder par les égouts. L'entrée est à l'extérieur des murs de la ville. Mais peu de gens savent exactement où. Demande à un mendiant. Ou alors repère-toi un voleur et suis-le. Mendiant et Tirlaine paient un genre de tribut au roi des mendiants. Bosquet, à ce qu'on dit. Les mendiants du coin ont un roi, avec une couronne, un sceptre, la totale. À ta place, je me moquerai pas, mon gars. Le roi des mendiants, c'est Cassiopée. Ce type est respecté de tous à Novigrad. Ah. Il reste sur tes gardes. Meng lui-même évite le bosquet. On me demande. T'es. C'est curieux de savoir pourquoi. C'est Meng. La garde du temple. La vermine chapardeuse en salle de confession. Mais, monsieur, quel mal on fait? C'est la boutique d'une foutue sorcière. Ça t'autorise à voler ce qui lui appartient? Bah, les sorcières, les mages et tout le tintouin, c'est dehors la loi. La loi, justement, attribue leur bien à la garde du temple. Et c'est toujours la loi qui règne. Ouais, d'accord. Sais-tu qu'une chauve-souris peut sentir un papillon à une lieue de distance? Non, mais j'en ai rien à foutre. L'odorat n'y est pour rien. C'est une affaire d'ouïe. Eh bien, un vrai expert en chauve-souris. Moi qui croyais avoir affaire à un tueur de monstres. Bon, c'est assez, hein. Ce sont les anomalies que je renifle et que j'avertis. Elles ne sont pas les bienvenues. N'ai rien fait de mal. Mais ça viendra. Tôt ou tard. Alors d'une sacrée merde ce type, hein. Et c'est à moi de veiller sur cette vie. À moi et au feu éternel. À tout moment, ça part dans ta gueule, hein. À tout moment. Mais sache que je t'ai à l'heure. Un faux pas, une erreur. Tu finiras par commettre un appel. C'est inévitable. Je serai le premier à venir. Ouais, juste envie de faire un barbecue. Hein. Procédure habituelle, comme pour toute erreur de la nature, osant souiller l'air ambiant. Alors j'ai utilisé mon sort de magie pour brûler tes potes, hein, mais si on vu, hein. Se faire menacer par Pep Guardiola. Oh mais vous, hein. Oh, une petite pierre unique là. On va fouiller. Oui. J'ai pas lu, hein. C'est du lore, j'ai pas lu. Un coffre que j'ai pas vu là. Du coup, moi je voulais aller voir le forgeron, hein. Mais c'est pas par là. Repérez les voleurs sur la grande place et suivez-les discrètement. Mais je veux juste aller au forgeron, moi. Non mais, je veux juste forger, moi. Oh, tout
Oh, toutes mes excuses, je viens de vous voler, je suis un pickpocket, bonjour. Ah, mon larfeuille! On m'a volé mon larfeuille! Voleur! Non, c'était lui, non? Bon, on se rappelle que je voulais aller voir le forgeron, non? J'ai un peu rien à foutre de ça. Gardez vos distances. Comment ça, gardez vos distances? Cutéreux, niquez-vous! En tout cas, c'est ça, moi je vais au forgeron, hein, je m'en fous de vous. Hein. Ablette, reste là, bouge pas. Hein. Ouais, je reviens pour la quête, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vais juste forger. Mais c'est par où? Putain, mais j'en suis pas si loin que ça. Ah oui, mais si, c'est de ce côté-là de la ville. Ah ouais. Putain, je suis passé juste à côté quand j'ai pris le bateau, ça m'a sacrément TP, hein, cette histoire. Hein. Mais poussez-vous. Juste forgé, moi. Avec Guy Forgé, hein. Du coup... On peut rentrer, là? Non. Ah, me dis pas que c'est à l'intérieur que je peux pas rentrer, hein. Non, mais... Ah, merci. Bonjour. Vous pouvez réparer des trucs? Qu'est-ce que vous servez? Des ravioles rédaniennes, spécialité de... Non mais je suis pas dans un resto, il y a l'icône de l'enclume. Bon sang. Un fat guerre dans mon établissement? C'est impossible. Comment savez-vous que je suis sorceleur? Vous plaisantez? Qui d'autre utilise une lame en argent? Fabriqué à Mahaka... Comment vous savez que je suis un homme? Elle doit faire... 40 et demi. Mais ça reste impressionnant. Vous êtes un expert à l'évidence. Je suis Hébert Hattori. Ah voilà, maître forgeron, merci. Je suis le roi de la raviole. Moi, j'aime les raviolis. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez goûter une de mes ravioles? Ouais, écoutez, hein. Je cherche un faiseur d'épée compétent. Je cherche un faiseur d'épée compétent. Pas le temps de bouffer, hein. Ça vous dit quelque chose? Trois épées dans le dos? C'est pas un peu trop? Les blagues à part, vous ne vendez plus d'épées? Vous les réparez quand même. Je suis dans la raviole maintenant, faut bien vivre. Mais ça me manque. Oh, ah mais le fond vert, au secours! Sans ce fumier de valeur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles. Venez que je vous montre. Belle collection, monsieur. Hein. Ça, j'achète tout. Hein. C'est dommage que vous n'en fabriquiez plus. Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe. Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles? Étonnamment, ça paie mieux. Mais surtout, c'est bien plus sûr. À vendre des ravioles, c'est rare qu'on disparaisse ou finisse estropié. Je vois. Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad? Rien d'officiel. Mais toute la matière première va à Ernst Van. Et allez, et ça joue aux cartes, et ça joue aux Gwent. Allez. Fréquemment. Vous avez tenté de trouver un accord? Avec Van Horn? Vous plaisantez? J'ai lu Mike Horn, moi, mais... Soit on joue selon ses règles... Et sûrement une mauvaise lecture. Soit on change de métier. Je vois. Mais je ne me plains pas. Les ravioles fournissent d'excellents revenus. Seulement... Ma foi. La chaleur de la forge vous manque. Vous avez tenté de vous fournir ailleurs?
C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires. Comment suis-je censé négocier? À moins que... Seriez-vous disposé à m'aider? Vous voulez que je vous aide à trouver... Oui, bon, pour prendre la quête, mais moi, ce que je veux, c'est juste réparer mon épée, hein. Comment? En m'accompagnant à un rendez-vous, en tant que garde du corps. C'est une quête secondaire, merci, au revoir. Il y a peu, j'ai voulu négocier une livraison de fer avec un gars du roi des... Oui, oui. Un autre gros bonnet de la pègre, j'imagine. Oui, et à couteau tiré avec Surin qui soutient Van Horn. Seulement, il exige une part astronomique des profits. Je me suis dit que vous pourriez m'aider à négocier. Non. Pas gratis, bien sûr. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Oui, on peut s'arranger, oui. Pourrais-je choisir un élément de votre collection? Ah, c'est un bon paiement, ça. Je vous forgerai une épée apte à pourfendre un dieu. Ah, ça, par contre... La pègre, les criminels, je ne suis pas sûr d'avoir envie de... Si l'épée worse, Ouais, hein. Van Horn est un fils de pute. Oh, du don. Je vous serai éternellement reconnaissant. Une armure de plate? Topez-la. Ou vous préférez une catapulte? Un trébuchet? Très bien. Ah mais là, on peut négocier là. Retrouvez-moi à la nuit tombée. Près de la grue, sur les quais. Ah oui, il a lâché le FDP World, hein, c'est... Bon du coup, épée raviole, c'est peut-être ce qu'on fera la prochaine fois ça du coup. C'est quête secondaire, c'est ça? Ah oui! C'est peut-être un peu ambitieux là, non? Putain, on a des quêtes niveau 24. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, on verra. On va essayer de faire un petit peu là, l'histoire des voleurs, hein, avant de s'arrêter. Et bonjour, monsieur Hermoun. Comment il va? On avance un petit peu dans The Witcher, tranquillou. Vous arrivez toujours en fin de stream. Mais, ah oui, mais d'ailleurs, mais putain, mais je me barre, mais je... Oui, mon épée cassée, oui, mais c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. J'ai complètement oublié le mec qui m'a parlé de sa quête, alors que je voulais juste réparer mon épée. Mais, ah, mais d'accord, en fait, non. Mais non, mais... En fait, je vais me faire foutre. Ah oui. Ah ouais. Bon, j'en ai rien à foutre, je vais réparer mon épée, moi. Hein. Que j'en ai rien à foutre. Hein. Non, mais en plus, c'est totalement vrai. Hein. C'est l'autre, il me parle de ses ravioles, mais au final, il me répare que dalle. Dis-moi que je peux sortir d'ici, par ici. Bonjour, madame. Catin. C'est marrant, hein, une catin qui s'appelle Catin. C'est marrant, hein. Oui, je sais, le jeu est pas fluide, hein, aussi. Hein. Mais j'ai pas résolu ce problème. Du coup, où c'est qu'il y avait un forgeron? Noir futé, il y avait pas un forgeron, là? Bah si. Mais c'est d'autant plus bizarre que... J'avais pas de problème en début de jeu, en fait. C'est ça qui me... C'est ça qui me tire le pin, du coup j'ai coupé le local record. Ce qui me fait un peu chier parce que je vais devoir faire le montage pour la sortir sur YouTube. Donc bon, tant pis, hein, on fera avec. Mais c'est que sur ce jeu que ça me le fait. Bon après, évidemment les autres jeux que je fais... ça demande pas autant. Mais bon. Bonjour. Vous sauriez forger une arme. Non mais je m'en fous. Je m'en fous, je veux juste... voilà. Attends, mais combien j'ai de pognon? Ah oui, j'ai pas tant que ça de pognon, hein. C'est désastreux. Moi j'ai tout réparé, me semble-t-il. J'ai pas fait gaffe... Non, je joue pas aux cartes. Non, merci. Adieu. Jamais. Le Gwyn, c'est toujours non.
Non, mais d'accord que j'ai pas d'épée d'Orienne. Mais c'est mieux ce que j'ai là, non? Oui, on avait dit que c'était mieux. Ok. On est d'accord que tout ce que j'ai là... Oh, c'est mieux! C'est mieux, c'est mieux. Et en plus, je peux mettre... Je peux l'enchasser. Mais non, mais... Espèce de con. Perforant. Ah oui, non, mais c'est les pièces, c'est ça qu'il faut mettre. Ah non? C'est les glyphes, on s'en fout. Plus 2% de dégâts. Chance de chancellement. Plus 2 chances de saignement. Je sais plus comment on l'enchasse ça. Comment j'avais fait? Mais de toute façon, je peux pas enchasser. C'est pas, c'est pour les armes. Ouais, c'est que les glyphes, d'accord. Non, mais c'est ce que je pensais, parce que c'est dans l'onglet des armes. Bah, en vrai, intensité du signe INI, c'est bien parce que je me sers quasiment que de ça. Donc, on va le prendre. Et puis. Il n'y a pas moyen que je décrafte. Merde. Ouais, parle bien. Vous sauriez forger une arme. Ouais. C'est forgé. Alors démonter. On peut démonter des trucs là parce que... Putain, mais tout ce que j'ai récolté, je sais pas qu'en foutre. Ok. Ok. Ça, je vais m'en débarrasser, merci. Ça sert à rien. Je vais garder l'autre au cas où. Il n'y a pas moyen d'artisanat, non. Faudrait que je m'y intéresse de plus près, mais là, la flemme, là. On peut crafter des trucs, hein. Épée longue, mille gardiennes, je peux crafter ça. Ouh, je peux crafter ça pour le niveau 12 plus tard, quoi. Efficace contre les monstres. Ah, mais j'ai pas assez de thunes. Ouais, c'est intéressant ça, par contre. Non, forgeron. Ah, c'est lui qui... Non, c'est les thunes du forgeron. Ah, mais non, c'est juste je crafte... Putain, je suis con, c'est 20 pour fabriquer. En vrai, on pourrait la fabriquer déjà, hein. Bon, niveau 12, j'y suis pas encore, hein. Niveau 12, j'y suis pas encore, il y a de la marge. Hein. En vrai, l'épée longue Myth Guardian. Ah ouais, non, mais je vais la. Et je pourrais même crafter la 13, hein. En vrai, hein. En fait, je pourrais même. C'est con à dire, hein, mais je vais craft les 3 en vrai. Je vais craft les 3 parce que comme ça je vais prendre l'épée niveau celle-là là. Je vais... Ah ouais, mais attends, je sais pas combien revient l'épée. Je sais pas si elle est. Attends, je peux comparer là? Non, je peux pas comparer. Non mais vas-y, je vais faire ça. Ah ouais, mais je vais pas avoir assez, c'est ça? Si? Ah oui, du coup j'ai plus rien. Ah mais oui, mais j'ai plus de barre de fer. Bon, faudra qu'on... Bon, j'aurai la 12 au moins. Au revoir. Adieu. Ouais, adieu. Je veux juste regarder mon inventaire. Parce que du coup, j'avais ça. Est-ce que je peux comparer? C'est où? C'est comment qu'on fait comparer là? Y a pas de comparer? Y a pas d'elle compare là? Mais ça, c'est normal, c'est niveau 12. Mais celle-là, je peux la mettre. Bon, intensité du signe hard, bon, Osef. Mais elle fait plus de dégâts. Ouais, c'est ça, elle fait moins de dégâts.
Bon, et après, elle a pas de. On peut pas l'enchasser par contre, cette épée. Mais au moins, on a ça en vrai, mais. En vrai, c'est ok. Bon, du coup, évidemment, je sais plus où est le panneau. Est-ce qu'on fait les voleurs hein? Faudrait qu'on le fasse. Hein. On va essayer de le faire. Hein. Mon épée en argent blanche. Ah, l'épée droite. Mais je sais même plus comment je. Enfin, je l'ai du début, non? Mon épée en argent blanche. Ouais, mais tu me parles bien de l'épée que j'ai. Ah mais oui, mais attends, mais en plus l'épée en argent, en plus c'est celle qui va aller à droite juste après en fait. Ah mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien ça. Bon, niveau 12, hein. N'y est pas encore, hein. Bon, en vrai, je vais essayer de faire la quête des voleurs, là. Et après, on s'arrêtera. Un peu de prolongation, mais... Mais nice, nice, nice. Ça rassure un petit peu qu'on ait un peu de dégâts à venir, parce que, bon... On commence à douter, hein. Alors, du coup, là, j'ai pas du tout suivi ce qu'il fallait faire. Pourquoi je pop ici, là? J'ai pas du tout suivi. Hein. Repérer les voleurs sur la grande place. Comment ça? J'entends un voleur, mais ça me dit pas où c'est, hein. Mais je l'ai pas vu! Mais c'est lui là! Mais moi je vois rien, j'ai le soleil dans la gueule. le pire tracker possible. Ah, toi t'es un voleur, c'est sûr. Tu fais quoi toi? Et prudent, le bougre. Restons à distance. J'en ai marre, je vois rien. Dans le doute, on tape un ivrogne. Hein. Dans le doute, c'est lui. Hein. Ah putain, mais il y a le GPS, connard. Pas lu. Aïe, 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 aïe. Bonjour. Ah, je suis le pire tracker de l'histoire. Hein. Ah, c'est lui là. C'est lui, c'est sûr. Monsieur, la charité. Une petite couronne. Ma mère est malade. Si je la nourris pas, elle va mourir. Attends, mais il m'a pop comme ça pour une quête Osef. Hors de mon chemin. C'est quoi une couronne pour quelqu'un comme vous? Un paix de lapin. Fiche le camp avant que je décide d'en finir avec toi. Ça c'est... Tu l'as dit avant moi, Gérald. Ah, c'est lui qu'on suit. D'ailleurs, avant que j'aie à refaire tout ce schmiblic là... Voilà. Faudra que je regarde. Hein. Mais il me semblait que oui. Je regarderai. J'ai pas pensé à vérifier. Merde, je l'ai perdu de vue. Ah, il est tout droit. Attends, mais il y en a deux là. What? Bon, je vais suivre lui, moi.
Faut aider les plus démunis, mais pas pendant qu'ils sont en train de me déranger pendant ma quête. Prenons un peu de champ. Individu louche. Ouais, ben reste loin. Reste loin. Ça sent le traquenard ici. Mais poussez-vous. Que des sus. Ah, il y a un citoyen pauvre. Mais... Bon, je vais en finir avec cette quête, hein, en vrai. Est-ce que je suis pas le plus discret d'histoire? C'est faux. Toi aussi t'es louche? Non. Merde. Il est où votre pote? Merde! J'ai failli suivre quelqu'un d'autre, hein, je... Ok. Je ne vous regarde pas. Bonjour madame. Non, il me voit pas, hein. Genre, tu tapes juste à la porte, en fait. Bon, et comme j'ai pas envie de refaire ça 36 fois... Fun fact, la ville est inspirée d'une vraie ville en Croatie. D'accord. Ouais. Pas que la Croatie, c'est un très joli pays, hein. Et très jolis endroits, pareil, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne se voit pas une bête de foire, hein. Regarde-moi. Et moi, je vois Mario. On dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai. Avec mon passe, accès gratuit. Sans une taxe d'entretien du bosquet. Je n'ai pas de mot de passe. Alors, faut payer. C'est combien? Ah, j'ai pas persuasion niveau 2. Sage. Ah, c'est en Pologne. Ça aurait pu être en Croatie. Mais j'ai pas lu. Mais ne les quitte pas des yeux. Ah, mais je vais venir sans armes, c'est ça? Ah bah elle est grande la ville, hein. Parler au roi des mendiants. Bah en vrai c'est ce qu'on fera la prochaine fois, hein, parce que là on va s'arrêter. Il est l'heure. Hein. Il est l'heure, monseigneur. Comme dirait l'autre. Bon, en tout cas on a avancé. Ça fait plaisir. Ah merde, j'ai quitté le jeu direct. Ça a pas mis le générique. Oh mais non mais oh mais quel je suis une merde, bon, c'est pas grave. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Demain on fera une petite un petit live just chatting, hein, où on verra sur le moment tout ce qu'on fait. Jeudi TCG, vendredi Master Duel. Bah du coup je vais devoir monter l'épisode pour la VOD sur YouTube. Donc sortira pas aujourd'hui, sortira demain. Et puis voilà. Mais ça m'a pas arrêté le jeu là. Hein. Il est toujours pas arrêté le jeu. Bref. Bon du coup je vous dis à demain. Si vous le voulez bien. Et puis
J'ai pas la musique du jeu, ça me trigger. J'ai pas de musique, ça me trigger. Bon, c'est pas grave. Hein. Au revoir, à Sandwich. Des bisous. Ouais.